série des exercices fondamentaux avec la fonction exponentielle, nous allons voir deux calculs élémentaires de calcul numérique avec la fonction exponentielle. Donc on nous demande de calculer les nombres A et B qui sont présentés là. Mettez la vidéo en pause, faites vous-même les exercices et regardez ensuite la correction. L'objectif de ce type de calcul est de vérifier que vous maîtrisez les propriétés de la fonction exponentielle, la propriété de base, qui dit que l'exponentielle de A plus B est égale à l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de B, cela pour tous les réels A et B. La fonction exponentielle transforme une somme, une opération faible, en un produit, une opération forte, d'où le fait que la fonction exponentielle explose rapidement pour les réels positifs. On va utiliser cette propriété pour le nombre A, en remarquant que A s'écrit exponentielle de 5 fois 2, et que ici il y a un autre multiplié, c'est 2 fois exponentielle de moins 1, et donc l'idée va être de regrouper les deux exponentielles côte à côte, comme la multiplication est commutative, c'est-à-dire que l'ordre des facteurs n'intervient pas, on sait que le nombre A peut s'écrire 2 fois exponentielle de 5 multiplié par exponentielle de moins 1, le nombre 2 n'étant pas une exponentielle telle qu'il est écrit comme ça, on va le laisser tranquille, et on va simplement utiliser la propriété que nous avons ici pour ce produit-là, exponentielle de 5 fois exponentielle de moins 1, c'est donc exponentielle de 5 moins 1, soit exponentielle de 4, on ne peut pas aller plus loin. Pour le nombre B, on va faire exactement pareil, en appliquant une déclinaison de cette propriété-là, qui nous dit que pour les réels A et B, eh bien exponentielle de A moins B est égale à exponentielle de A sur exponentielle. Les vidéos de cours vous rappellent ces deux propriétés-là, si besoin. On applique la propriété des produits au numérateur, et donc cela va être égal à exponentielle de moins 1 plus 4, divisé par exponentielle de 2. Moins 1 plus 4 au numérateur, cela fait exponentielle de 3, divisé par exponentielle de 2. Et là, on applique maintenant la deuxième propriété dont nous avons parlé, ce qui nous fait exponentielle de 3 moins 2, au final, exponentielle de 1, c'est-à-dire le nombre E.